Bonjour à tous, c'est Iphone Retro et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du jeu Draw Race 2. Donc comme son nom l'indique, il y a déjà eu un précédent opus qui était vraiment très bon et qui a plu à beaucoup de personnes. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait l'épisode 2, les gars de Shiningo. Donc je vais vous présenter ce jeu aujourd'hui. Donc le but de ce jeu est de construire une route en dessinant sur le parcours. Donc profitez-en parce que pendant que je tourne cette vidéo, donc c'est-à-dire le 30, il me semble, ouais, c'est ça, le 30 octobre, il est gratuit pour Halloween, quoi. Donc allez-y, les yeux fermés, c'est vraiment superbe. Sinon, il me semble qu'il est à 89 centimes d'euros, je ne suis pas sûr, mais bon, c'est à vérifier. Donc voilà, c'est un très bon jeu hein, qui est noté 4 étoiles et demie sur 5, et donc je vais montrer ça tout de suite. Donc voilà le menu du jeu, donc qui a été bien retravaillé depuis le précédent opus. Donc vous pouvez voir le mode carrière, fan challenge, hot seat et world league. Donc un mode multijoueur et un mode carrière en gros. Donc nous pouvons déjà, donc je vais commencer le mode carrière. Donc je vous cache pas que je n'ai pas beaucoup joué, hein, j'ai fait que la première mission. Donc on va pouvoir tester ensemble le deuxième niveau. Alors c'est ça, voilà. Ça je vais vous montrer un petit peu. Donc là on peut choisir sa voiture. On va prendre celle-ci. Alors, donc là, il m'explique. Ok, donc, c'est les tutoriaux, début, tutoriel, pardon. Donc, il nous montre comment ça marche. Ah, donc, c'est une sorte de système de nitro. Hein. Alors, donc, il me dit de faire deux tours. Donc, en fait, le but est de dessiner la trajectoire de votre voiture. Si vous allez moins vite, la voiture freinera, etc. Si vous allez plus vite, vous allez vite comprendre. Hop, donc attendez. Hop, voilà, je commence. Je ralentis. Prenez l'intérieur des virages. Voilà, je fais un peu n'importe quoi, c'est un peu compliqué. Voilà. Oula. Hop. Bon, c'est juste pour vous montrer, hein. Je suis pas très bien installé, donc... Oui, donc voilà, je me suis bien fait avoir. Oula, mon dieu. Donc c'est assez sympa, hein. Donc là, j'ai la nitro, attendez, oula. Voilà, nickel. Nickel. Donc voilà, après, bien évidemment, le truc, hein, c'est de faire le meilleur temps. Et donc, on va continuer les courses. Donc, c'est parti, on prend celle-ci. Donc, attendez, je vais voir la vidéo. Ok, d'accord. D'accord, donc il montre en gros les méthodes à faire pour les corniches. Alors, merde. Bon, je fais un peu n'importe quoi, là, je vous l'accorde. On va voir. Oula, d'accord. Il ne faut pas avoir des gros doigts, apparemment, parce que là... Ouais, vous avez vu, un peu trop vite, et après elle dérape et partait un peu n'importe où. J'ai gagné là? Ah non, deuxième. Putain, c'était limite. Bon. Il faut gagner pour continuer. D'accord, il faut vraiment avoir la médaille d'or quoi. Donc on va continuer, c'est parti. Hop. Je vais essayer de m'appliquer là. Le problème c'est que je vois pas grand chose. Hop. D'accord, ça c'est bon. Oula, oula, pas terrible ça. On va voir. Donc, vous pouvez jouer, en tout cas sur le précédent opus, vous pouvez jouer à plusieurs sur le même iPhone, enfin même appareil, parce qu'il existe aussi sur iPad.
Donc c'est assez sympa, vous passez chacun votre tour à votre ami et vous pouvez faire une petite course. C'était assez sympa, vous pouvez jouer jusqu'à 4 comme, de cette manière. Donc c'est assez sympa. Donc j'ai gagné, voilà. Ok, nouveau circuit. Alors, ok, donc Winter First. Donc voilà en gros pour Draw Race 2 qui est vraiment un bon jeu avec qui a été vraiment bien amélioré depuis le précédent opus. Donc c'était iPhone Retro, allez ciao tout le monde. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me retrouver sur mon site internet iphonerétro.allo.com. N'hésitez pas non plus à mettre un commentaire et un pouce vert si cela vous a plu et prenez soin de vous. Salut.